C'est bientôt l'hiver et putain, ça fait froid. Alors toi aussi, prends Rumiflex. Rumiflex! Ce médicament n'est pas conseillé par votre médecin ni votre pharmacien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fake News. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Vous pouvez éventuellement la partager, mais tout de suite, le sommaire! Actualité maintenant. Suite et fin de l'affaire Benalla. En effet, Tariq Ramadan confirme ne jamais avoir vu Monsieur Benalla frapper un manifestant. Ce que confirme également la Cour des comptes de Paris. Alors, n'en parlons plus, on vous pardonne. Affaire Dieudonné maintenant. Celui-ci risque plusieurs années de prison pour tentative de représentation théâtrale ainsi que couscous prohibé. Voyons voir cette météo. Il fait beau. Rien d'autre à ajouter. Elle t'a vu? Ça caille vachement, hein, en ce moment. Alors, toi aussi, prends Rumiflex. Rumiflex! Le médicament n'est pas conseillé par votre médecin. Rumiflex, ça sert à rien, mais prends-en. Après le décès de Monsieur Aznavour, Patrick Juvet aurait lui aussi barrer David et Laura de son testament. Alors que Monsieur Drucker, lui, nous fait une petite dépression. Edith Piaf, quant à elle, ne regrette toujours rien. Rubrique économie maintenant. Alors que l'évasion fiscale s'intensifie, la France décide de taxer un tout petit peu plus les retraites et de supprimer totalement la CMU dans le but de remonter un petit peu le PNB de l'Elysée. Et pour une fois, Monsieur Mélenchon s'abstient de tout commentaire. Alors que Total se porte bien et décide d'augmenter les taxes de son carburant pour augmenter la taille de la piscine présidentielle et pouvoir subvenir au bon sommeil de notre si cher banquier, président. La SNCF continue de creuser l'écart entre la technologie existante et la rentabilité. Elle continue cependant de faire du bénéfice. On a eu peur. T'as vu? Ça caille vachement. Alors toi aussi, prends Rumiflex. Rumiflex! Le médicament n'est pas conseillé par votre médecin. Et tout de suite, je vous propose l'interview webcam. Ça a marché. La maison de mon enfance. Citoyens, citoyens du monde libre, le monde, la résistance a échoué. Ne vous laissez pas faire, les politiciens sont corrompus. Ils vous manipulent depuis tout le temps. Je suis suspect. Ils m'ont retrouvé. Non, les salauds. Alors que nous apprenons à l'instant la disparition étrange d'une sorcière lors d'Halloween. Rubrique cinéma maintenant. Alors que Kev Adams atteint sa puberté pour la 5e fois, il aurait enfin décidé d'arrêter le cinéma. Une grande nouvelle qui bouleverse cependant Danny Boone en plein tournage de Bienvenue chez les Ch'tis 4, 20 ans après. Et voici un court extrait. Hey, salut Biloute! Oui, c'est bien ici, la pote! Ah, la poste! Bonjour, messieurs! Hé! Hey, Bernard! Viens voir, viens voir! Oh putain, je crois pas! Oh putain, la couche qui tienne, t'as vu ça, bordel? Hey, les gars, arrête de picoler! Mais j'ai pas picolé, moi! Ça va ou bien? Sur Biloute, hein? J'ai chicot barré au. Oh bordel! En ce moment, ça caille grave. Alors toi aussi, prends Rumiflex. Rumiflex. Ce médicament n'est pas conseillé par votre médecin ni votre pharmacien. Il n'y a pas de notice d'utilisation. Ne demandez pas conseil à votre spécialiste. Médicament fabriqué par les laboratoires Pigeon. Social maintenant.
Alors, pour compenser la baisse des retraites, la trêve hivernale s'intensifie, puisque même à 87 ans, Madame Leclanche, Françoise, se voit offerte la possibilité d'ouvrir son entreprise de fabrication d'igloos dans sa commune en Bretagne. Alors, souhaitons-lui bonne chance! Et sans transition, l'hiver se montrant rude, les Bretons étaient finalement des visionnaires avec leur bonnet rouge. Bravo les Bretons! Cette vidéo a été sponsorisée par Rumiflex.